a pensé d'abord, dans le cadre du forum, que ce serait intéressant de faire venir des Tunisiens qui avaient participé à cette expérience, qui ont vécu cette fermentation au sein de la population tunisienne, et eux-mêmes nous ont dit être intéressés de l'expérience des forums sociaux et souhaiter développer des forums sociaux locaux en Tunisie. Donc à ce moment-là, c'est l'instinct de survie, quoi. Nous étions en train de courir et puis on entend la balle sortir comme ça. Et après, on se tourne, il y avait quelqu'un qui était tombé et c'était lui. Donc ce moment-là, j'oublierai jamais. C'était un moment très, très, très fort, quoi. Donc, et après, on essayait de le ramener au militaire. Mais les policiers ne voulaient pas, ils nous tiraient dessus. Nous étions comme des orphelins, quoi. Nous étions en train de nous battre et personne ne disait rien, quoi. On se partageait tous des vidéos qui circulaient en un temps record parmi tous les Tunisiens. Et donc c'est comme ça qu'on était au courant, qu'on a pu en fait se mobiliser ensemble sur Facebook et s'encourager à sortir dans la rue. Nous faisions les journalistes, en fait. On ne dit pas encore la vérité, on ne dit pas encore ce qui se passe. On ne peut compter que sur nous-mêmes pour une vraie information. Le sens qu'a la révolution tunisienne. Mais les choses essentielles, c'est toujours dit autrement, quoi. Quand on dégage des milliers de gens de la place à coup de gaz lacrymogène, on peut normalement prévoir qu'ils sont en colère. Et que s'ils vont voir des agents de police sur l'avenue, ils peuvent aussi se venger, normalement. Et en fait, ça a failli se passer, parce que tout de suite après, quand tout le monde est descendu sur l'avenue, et en fait, ils font une file pour empêcher les gens d'aller se venger sur les flics. On est conscient que ça doit être pacifique. Donc il y avait les gens qui avaient très faim, qui étaient très pauvres, et ils étaient délaissés à un moment donné par le reste de la population. Eh bien, Ghassrine Sidi Bouzité, c'est là où ça a commencé, il s'en sortit pour dire, alors, Khobzoumé ou Benarlilé, ce qui veut dire de l'eau et du pain, et pas Benarli. Et c'est là que le pays s'est réuni. C'est pas un mouvement dirigé par un parti ou un leader qui a renversé Benarli, c'est un soulèvement populaire. C'est donc ce sentiment que c'est ce mouvement populaire qui doit continuer à s'opposer au régime. Enfin, ce qui fait qu'on est des fois un peu triste, et enfin des fois aussi très heureux, c'est qu'on sait qu'on ne profitera pas forcément de cette révolution, dans le sens où tout reste à faire. Je pense que la démocratie, c'est d'abord et avant tout une culture. Et ça, c'est le plus dur. C'est pas que justement une constituante. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment en Tunisie. Il faut que ça soit un peu focalisé pour que ça soit efficace. Donc on avait besoin de l'expérience des Français, surtout de la ville d'Ivry. Ils ont réussi quelque chose d'absolument extraordinaire. La dictature de Ben Ali était lourde, pesante, elle bénéficiait de complicité dans notre pays. C'est un pas vers la paix sociale, c'est un pas vers une relation plus apaisée du débat politique dans les deux rives de la Méditerranée. Une Tunisie démocratique, un Maroc démocratique, une Algérie démocratique, c'est une Méditerranée où il y a plus de liberté, il y a plus de solidarité, il y a plus de coopération.